Lundi 9 avril 2018, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Téléjournal Lens sous Télévision Nationale d'Haïti. Mais grand titio pour Assoya. Président République Lan Jovenel Moïse participer dans remise prix première édition concours Renaissance dans Camp Perrin samedi qui était 7 avril là. Un projet qui visait encourager jeunes yo faire business et puis aider zone yo développer tête yo. Groupe Croissance lancé lundi 9 avril, 8e sommet international finance sous thème Financer agribusiness dans le pays d'Haïti. Campagne vaccination contre maladie diphtérie lancée lundi 9 avril sous initiative ministère santé publique avec population dans tête collée avec UNICEF et puis OPS OMS. Plusieurs timoun dans l'école nationale Argentine Belgade vaccinés dans l'occasion. Ilavache recevoir l'eau équipement PAL samedi qui était 7 avril là dans cadre caravane changement. Président République Lan Jovenel Moïse prend engagement pour faire gros passer main dans Zilea qui capable offrir en pile opportunité dans affaires touristes et agriculture. Dans l'actualité en sous-plan international, Corée du Nord déclarée l'IPARE pour dénucléarisation péninsule coréenne. Pour qu'il y ait l'art, était pour finaliser l'organisation sommet qui prévoit dérouler en 20 longtemps. Amis téléspectateurs, n'a pas envie de rester branchés, c'est Titsayo avec un pilote information qui pourra le faire essentiel journal lent pour Assoya. Une fois encore, on a salué et remercié tout le monde qui branchait information sur la télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation à Soya, c'est Linela qui est avec nous. On a souhaité nous toutes une très bonne semaine sous TNH. On a profité de démarrer Téléjournal pour lundi 9 avril, dans la page météorologique, ici avec collaborateur nous, Wilner Polidor, qui prend le poté pour nous conditions temps pour Assoya et pour cette semaine. Bonsoir Wilner. Nous lundi 9 avril 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble. Bonne semaine à chacun de vous et on a comment conditions météorologiques pour jeudi à week-end passé, semaine dernière, tu as un peu la pluie, mais week-end ça, prévoir pour que nous ayons un temps qui est particulièrement stable dans le début de semaine, mais en fin de semaine, tu as supposé gagner un front qui arrive sur nous, mais c'est pour jeudi à la comme situation. Je nous sur l'image satellite là, c'est un temps qui est vraiment beau sous le pays d'Haïti avec soleil au cours de journée. Là. Et la situation ça a généré par rapport avec zone de haute pression qui est pour renforcer au cours de journée là. Et en soirée. Je nous relis sous l'image ça et n'a pas tant nous avec un temps beau temps sous majorité département pays, là. Mais en soirée, ou au cours de nuit, là, toujours gagner possibilité pour gagner quelques averses isolées. Et département qui a procédé par averses, c'est département Antibonite, centre et puis sud-est, à la rigueur, l'ouest aussi, Grand-Est et puis sud qui a gagné quelques averses isolées en soirée au cours de nuit, là, mais c'est vraiment des averses très très isolées. À part de ça, pour l'ensemble, c'est beau temps sous tout département pays d'Haïti pour aujourd'hui. Pour capitale avec zone qui environnée, son capitale qui jouit de beau temps au cours de journée avec quelques développements nuageux en après-midi et en soirée. Possibilité pour gagner quelques petits averses isolées sous tête monio, mais ce n'est pas de grand, c'est pas de gros averses et c'est surtout sous quelques quartiers, mais tout quartier pas concerné par activité la pluie. Ça va pour aujourd'hui et nous avons température qui a monté jusqu'à 34 degrés aujourd'hui. La fait très chaud et température la descend à 22 degrés au cours de nuit là et encore au cours de nuit là la fait chaud parce que 22 degrés c'est un peu haut par rapport avec température minimale là. Pour la mer, c'est une mer qui peut agiter sous côte nord et Golfe la Gonâve c'est une mer qui est belle mais sauf que côte sud là au large la mer elle est agitée mais près des côtes c'est une mer qui
peut agiter, ça veut dire capitaine d'embarcation, pas de souci pour naviguer parce que vent c'est un vent en est nord-est et puis avec un mer qui peut agiter côte nord et côte sud, pas de souci pour naviguer pour aujourd'hui sous côte pays d'Haïti. Et dans la page astronomique là, on a bien soleil à cap aujourd'hui à 7h05 et la pleuvé d'un matin à 6h37. Mesdames, Messieurs, merci pour fêter nous avec attention nous. Et à croiser demain pour notre page météorologique. Nous te souhaitons annoncer un grand titre, président de la République, Jovenel Moïse, qui te gagne avec lui, ministre de la République, ingénieur Fritz Caillot, et puis ministre Tourisme, Jessie Ménos, participer dans la remise première édition concours Renaissance dans Camperin, samedi, qui était 7 avril 2018. Là. Objectif concours Renaissance, c'est aider section communale à centre ville développer tête d'après besoin zone et puis encourager population à rentrer dans affaires, faire business. N'a invité nous suivre un reportage avec collaborateur nous Richardson Jourdan et puis Pams Jean-Baptiste. En total 45 entrepreneurs qui sorti dans section communale à centre ville Camperin a déposé projet dans le cadre concours Renaissance. Nan. Son programme qui visait renforcer l'entrepreneuriat dans la commune Camperin et puis encourager les gens pour entrer dans le business. D'après l'initiateur d'activité, Carmélie Montima Ismaël. J'ai fait des analyses de besoins sur les sections communales suivant mes expériences et enquêtes sans trop savoir d'où allaient venir les moyens. Mais il y avait la foi. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, j'organise des activités à caractère social et culturel à Camperin et cela me permet d'avoir une idée des différents blocs et localités. En 2017, vers le mois d'avril, j'ai finalement eu l'idée d'écrire un projet sur l'organisation de concours pour aider les sections communales à sortir de l'ombre, se développer et devenir à long terme autonome. Président républicain Jovenel Moïse dit déterminé pour bay moun ki gen l'idée faire business dans pays ya bon jan accompagnement si tout si la yo qui vise domaine agriculture ak transformation produits agricoles. Programme ça parle sur tout pays ya. Nous on dit moun ki men chiffre pas faire calcul. Bon si chaque moun j'ai rive prêter 1 million goud. Et puis mal regarder viser 50 entreprises ou bien 100 entreprises mal gen sur chaque commune dans pays ya. Ça veut dire 146 multiplié par 100. Ça veut dire non gros problème. Côté mal venu cobla pour prêter mon yo. Il dit bon, bah moi j'ai parlé et puis responsable là fait me comprendre. Gon kop nan bit pour ça. Moi l'ambassade espagnole là vinn côté me dit oui, l'argent là. Allez dis aujourd'hui à bon dit. Programme ça que nous mettez sous pied pour renforcer entrepreneuriat région. Ça veut dire me parler pour nous comprendre que y a un projet qui n'a rien sens pour nous. Quel que soit son pensée dans tête ou vindil. Toujours dans le cadre d'activité, le chef d'État a renouvelé l'engagement pour continuer à accompagner la population et puis pour mettre pour respecter toute saleté dit pendant la campagne. Là. Son stratégie, j'aime te dire dans la campagne électorale, là, pour nous venir mettre l'État au service. Parce que moi-même, moi dis qui sont loin, 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 même Jacou, nous sommes victimes de l'État. Ça. On l'État qui pas au service nation. C'est pas demain matin que tout l'État qui arrive à servir nous. Mais premier pas, on a commencé à faire. Même gens, dans le niveau service qui est l'heure pour construire route, pour mettre route dans la commune pays, pour nous faire une rénovation urbaine. Jean, où on a fait dans la ville de Gabérin, j'en ai fait aujourd'hui dans la ville de Belade. Décision que nous prenons pour y la vache. J'en ai fait dans plusieurs autres communes dans le pays parce que pendant que nous avons interconnecté les communes, nous avons rénové les communes. En plus de formation sous entrepreneuriat et certificat, Gaïan a reçu un chèque de 200 000 gouttes pour mener l'activité business. Trois sorties dans la section communale et l'autre là dans le centre-ville Camperin. Merci Richardson et Pams. Nous te dit dans grand titre tout 8e sommet international sur finance là lancé jeudi lundi 9 avril là dans Pétionville. C'est groupe croissance qui a organisé sommet international ça sous thème
financer agribusiness dans le pays d'Haïti. Président directeur général groupe Croissance, Kessner Farrell, expliquait y a mis plus accent sur agriculture par rapport à divers points y a gagné pour aborder dans le cadre sommet SILA. N'a invité nous suivre yon bout. Donc je vous dis assez pour Merio, ça fait déjà près de 3 ans avec les maires élus. Chaque année, nous avons premier jour là, nous concentrer sur la finance municipale et l'administration publique locale. Donc nous avons 2 Canadiens qui entrent là, qui sont très bons dans le domaine ça, la géomatique, parce que je vous dis même, je vais parler de smartphone, téléphone intelligent, et bien je vous dis agriculture intelligente, ville intelligente, donc il y a des décisions, il y a des bases de données pour prendre. Il y a une blague que monsieur a commencé là, monsieur dit que il a découvert que la ville de New York a 8 millions de rats. Nous avons une commune ravette qui est en commune dans le pays d'Haïti. Et la commune qui est plus ravette, c'est la commune qui a moins d'assainissement. Voilà un petit peu l'idée des données, des bases de données. Et pour qu'on ait qui actif, qui s'est gagné dans la commune pour capable avancer. Donc nous avons fait toute journée comme ça avec les magistrats. Demain, nous allons développer le thème sommaire, financer l'agribusiness en Haïti. Et comme on connaît chaque année, nous avons une conférence internationale sur la microfinance qui a fait parallèle demain avec Monsieur coopératif qui a participé en grand nombre là-dedans. Mercredi, c'est la finance publique. Donc, le ministère des Finances a venu. Nous espérons qu'il y ait une idée sur l'affaire budget rectificatif qui a parlé ces jours-ci. Pour nous connaître ce qui s'est passé pendant 6 derniers mois et 6 prochains mois, comment ça va aller la finance publique pays d'Haïti. Jeudi, c'est la politique monétaire. Le gouverneur Banque Centrale a prononcé son gros discours pour parler de situation dollar par rapport à Goudla, qui perspective qui vient dans la politique monétaire là. Et nous avons une activité qui a fait jeudi après-midi, le thème de dollarisation, pour avoir un gros débat qui a fait jeudi et je ne sais pas sur lui-même. Vendredi, nous avons fini avec l'assurance par bon ici là, l'assurance agricole, parce que le thème c'est financer l'agribusiness ici. Donc on va le développer, à faire assurance là, en pays. Et vendredi, nous avons tout descendu, même jour, nous avons une activité dans la Banque Centrale là, côté nous avons fait FinTech. Et samedi, c'est FinTech. Donc voilà, sommet année, ça a 6 jours. Donc nous sommes censés prendre toute semaine pour nous faire marathon. Donc, puis l'activité qu'a réalisé. Nous avons toujours été dans le cadre du 8e sommet international sous financement, ensemble avec Martin Lelièvre, expert canadien dans les affaires administration publique locale, qui travaille à comptable directeur financier plusieurs mairies dans le pays. Qui déclarait si mairie respectait principe la loi et puis employé moun qui compétent yo ta doit porter un diplis dans développement pays a. Expert canadien en rete quoi développement pays a doit passer dans progression finance locale yo. N'a invité nous suivions bout dans micro Ansi Mars. Le constat que je remarque, c'est d'une part, c'est probablement un manque d'organisation qu'on voit. Deuxième temps, au niveau des ressources, je pense un problème au niveau de la formation des gens en place. Et aujourd'hui, je vais animer le groupe des maires sur l'importance de bien gérer les données, bien gérer les actifs d'une organisation. Et je crois que lorsqu'on a en main une bonne connaissance de nos actifs, de notre gestion des actifs, ça nous permet, je pense, de faire un développement beaucoup plus harmonisé et un développement local qui permettra, je pense, aux Haïtiens de revenir en région parce que, vous savez, le développement d'Haïti repose, selon moi, selon mes observations, les échos que j'ai eus avec les gens avec qui j'ai fréquenté, discuté lors de mon séjour, c'est que le développement d'Haïti repose principalement sur le développement local. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on doit arriver de l'extérieur pour arriver avec nos solutions. Je crois qu'on doit d'abord faire le constat de ce qui se passe ici et davantage accompagner, être un coopérant avec les gens en place pour bien dynamiser les régions. Des recettes miracles, je ne pense pas qu'il y en existe. Je crois qu'au Québec, on a une façon de travailler. Il y a une problématique, il y en a une autre problématique ici à Haïti et je crois qu'il faut se fondre avec la problématique que nous retrouvons à Haïti et collaborer et aider en coaching les gestionnaires en place. On a profité fait qu'on a un lancement sommet international financement. C'est occasion pour faire lumière sur plusieurs thématiques qui fait actualité dans le domaine financier. Avantages et inconvénients, crypto-monnaie, c'est un thème qui a dominé la première journée sommet SILA. On suit plus de détails dans le reportage ça, Ansi Mars avec Hervé Pierre à Poté pour nous. Crypto-monnaie, Bitcoin,
C'est sous sujet ça, Arifa Serrant et Palé, qui sont en actualité dans les affaires business. Utilisation de l'argent, ça, moun pa ka manyen, a pren place li chaque jour plus dans le monde, d'après économiste nan, qui rete kwè pays d'Haïti pa épanye. Même si forme l'argent, ça, moun pa ka wè, c'est par un banque qui bay li, Arifa Serrant pa hésite à parler sur avantage d'hypoté dans le système économique. Ce monnaie qui créé et géré à partir d'un réseau informatique. Donc son monnaie est totalement virtuel. Donc ça veut dire que vous pas kawel et que son ensemble de nèg qui était créé et que jodi a là et en pile monde vinn gen confiance dans lui et c'est confiance ça qui bal valeur. C'est confiance que vous mettez dans lui qui bal valeur. Donc c'est à dire que et contrairement avec question de carte de crédit qu'on a dit à tout qui c'est en forme d'utilisation électronique de la monnaie, mais il y en a plus gros différence avec Bitcoin, c'est que Bitcoin lui-même donc il n'est pas régulé par le système bancaire, ok, il n'est pas régulé par des autorités monétaires et c'est pas des autorités monétaires tout qui émettent li ni qui créent. Tant que tout produit Bitcoin n'a gen bon, même j'en li gen mauvais côté. Pour raison ça yo, c'est rien attirer attention utilisateur yo sous problème crypto l'argent charrié avec. Deux pigoris que nous quoi ça gagne, j'en te dis là c'est que ça qui arrive que crypto monnaie a pas un bagage vraiment et réel, il est capable de bagage et qui pas vraiment grand valeur sûre, OK? Donc ça donc bulle financière qui fait que valeur capable de diminuer, chuter considérablement de un journée à l'autre qui vient faire que toute transaction économique au monde fait en Bitcoin, donc on vient perdre tout et actif ça au qu'on vient gagner. Donc deuxième et l'autre deuxième plus gros risque encore c'est risque d'activité illicite. Donc c'est dans le sens que et utilisation crypto monnaie, le fait que le pas passer pour un canal et capable de surveillance, OK, donc ça veut dire que plus qu'on y a là vinn gagner des monde qui fait des transactions en dehors du système bancaire qui est supervisé, donc c'est plus capable de gagner des activités de fraude, OK, des activités illicites et capable de gagner des conséquences négatives sur la société. Bitcoin n'a pas été dans l'année 2009, quelques temps après crise l'argent qui t'a bouleversé le monde. D'après l'histoire, c'est Tava Hiroshi Nakamoto qui t'a porté solution ça. Merci Ansi ak Hervé. N'après poursuivre ensemble avec information yo kounye la pour nous faire connaître direction départementale l'Ouest PNH lan, commissaire Berson Soljour confirmé lundi 9 avril là l'an mort Jean-Yvan yon employé institution. Directeur a expliqué citoyen ça a perdu la ville en babal sous bicentenaire ayer dimanche 8 avril. Commissaire Berson Soljour mande population pour éviter message qui a circulé sur tous les réseaux sociaux pendant les mandats pour rester calme pendant la police nationale a travaillé pour mettre la paix dans zone et dans zone yo pour aider population à circuler librement. N'a invité nous suivre yon bout dans déclaration commissaire Berson Soljour qui était dans micro Darline Dorival à Richie Degerville. Une situation de panique hein, qui créé dans zone cité de Dieu, cité et plus et dans quartier Coq d'Or et marché Nivana qui situé en face d'Akadi de cette zone ça situé de part et d'autre de la route nationale numéro 1 après théâtre national et premier deuxième avenue, mais nous Akadi sont six causes de peur qui créé à la suite de diffusion et transfert de ensemble de voice et qui tagaré avec de groupes armés qui a échangé de menaces de part et d'autre et concernant une qui va attaquer l'autre. Il faut que nous disions et demander population pour garder calme pour nous pas prendre dans panique ça puisque c'est des voix, c'est des jeunes qui chitent à un côté qui a voix voice dit a pas attaqué, il a fait un mort, il a fait des bagarres, qui a montré des armes. Il y a une image qui peut être vraie, mais il y a un pilote qui a cherché pour nous vérifier, authentifier. Pas bien, il y a une situation comme ça sur Internet. Tout le monde qui a des images, notamment nous, une dame avec un manche long, un fusil, et l'image de Santé Conwell après l'opération Grand Ravine. Donc, c'est des ensemble d'informations qu'il a diffusées. Nous avons que demander tous les citoyens haïtiens, les gens qui aiment Haïti, pour nous garder calme. La police nationale d'Haïti, par rapport à toute information que nous avons gagné, nous avons pris des mesures pour nous être capables de mettre, déployer une unité spécialisée telle que Boy, Udmo dans la zone.
actuellement nous monter la permanence dans zone ça, donc pour que tout citoyen capable vaquer librement à occupation. Et puis, il a fait qu'on ait un président de commission justice et sécurité publique, chambre député à Jean-Marie Florestal, exprimé préoccupation devant la situation qu'a développée dans quelques quartiers populaires dans la région métropolitaine. Là. Devant la situation, ça, le parlementaire a annoncé, la commission l'a dirigée, a convoqué en volontaire membre conseil supérieur police nationale CSPN dans l'idée pour joindre explication sous situation si là. On suit un extrait dans micro Fédéric confident à Moïse Wilbridge. Nous conscients de montée vertigineuse insécurité à la capitale là et pas seulement dans la capitale là mais diverses autres villes provinces nous apprennent que gon recrudescence de l'insécurité. Mais nous-mêmes, au niveau de la Commission Justice, Droits humains et Sécurité publique, nous entendons prendre responsabilité nous en main pour nous commencer par arriver sous autorité qui est responsable, question sécurité publique, là, pour nous et permettre de venir là, dans la salle commission, commencer par nous explication pour qui raison et insécurité a monté comme ça dans le pays. Il faut que nous constations bien que il y a un moment précis pour insécurité à monter. Et nous-mêmes, c'est pas seulement d'avoir invité le Conseil supérieur de police nationale là pour venir une explication sur monter et je dirais et vertigineuse insécurité dans le pays, mais tout, il y a bien pour bonne explication tout sur pour qui ça, c'est chaque fois, c'est dans la période ça même que l'insécurité a toujours une tendance à croître. Donc nous connaissons le problème grand ravine. Nous connaissons un problème qui est passé hier là dans la question. Pour aller regarder, il y a des autres membres de la commission qui est resté dans le parage là, qui étaient alertés nous. Ça fait matin là, nous sommes venus pour nous faire chita, tendre ensemble avec tous les membres de la commission pour nous garder dans quelle mesure nous sommes capables de prendre une décision d'ensemble pour nous chita sur une date pour nous convoquer le Conseil supérieur de police nationale là. On ne pas dire inviter, convoquer. Conseil supérieur police nationale là pour capable permettre lui réagir sur question montée insécurité. Tout récemment, il y a un journaliste nous connaît, ça fait la une de l'actualité, journaliste qui est censé disparaître et que jusqu'on y a là, pourquoi il y a une explication claire qui baille sur raison de disparition journaliste là. C'est vrai la police pour mettre rapport à dehors, mais jusqu'on y a là pourquoi même ébauche de rapport ça qui sorti pour t'a dit est-ce que journaliste ça un est-ce que l'envie, ou bien est-ce que le journaliste a fait objet d'otage, ou bien est-ce que désormais nous capables de dire c'est un monde qui passait de vie à trépas. Jusqu'on est là pour qu'on ait un dit, mais seulement nous étions en attente de rapport là. Et je pense que dans la convocation n'a pas fait à Conseil supérieur de police nationale là, ça peut faire partie de menu en tout. Et pour question et monde qui n'est pas capable de vaquer convenablement à l'activité, de monde que bandit a pas simé la terreur sur eux, que ce soit du côté du portail de Logan, que ce soit du côté de Gredavine ou n'importe l'autre quartier dans la capitale là, nous-mêmes, Conseil de police nationale, a pas gagné pour dire nous qui disposition bien rapide la pour prendre pour capable freiner et vague insécurité ça cap souffler et sous la capitale là. N'a pas quitté dossier insécurité pour nous poursuivre journal ça ensemble avec président République là. Jovenel Moïse qui distribuait samedi 7 avril qui saute passé à yon lot équipement sous île et la vache. Chef l'État qui te gagne avec lui plusieurs ministres dans le gouvernement prend engagement pour faire gros passer maintenant et la vache. Yon zone qui d'après président République Lan qui a offri en pile opportunité pour Haïti spécialement dans affaires touristes et agriculture. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay pour un reportage. Il a vache recevoir flotte équipement pâle pour réaliser travail caravane changement dans 26 localités qui sous Ilea. Ici là nous dans localité Madame Bernard. Yon nan zone kap fait face à en pile difficulté tant qu'au problème de l'eau, courant à coûte. Nous te parler sur éducation, nous parler sur environnement, nous parler sur de l'eau, nous parler sur électricité. Nous parlons sous route, infrastructure, aéroport, port, touristes,
nous parlons sur tout problème, la police, la justice. Et président te dit, magistrat, l'éltende ou moun, l'image avec toute solution. Nous venons là, nous commençons. Pas oublier, c'est pas il a vache qui gagne, mais il a vache mérité ça. Il a vache mérité pour faire route là-dedans. Il mérite de l'eau, il mérite courant, il mérite tout projet de la ville. Visite président Jovenel Moïse dans l'île Lavache, vini une semaine après chef l'État a rencontré autorité locale sous situation l'île Lavache. Dans une semaine, chef l'État a mobilisé équipement avec différents ministres qui concernaient pour porter solution à besoin ça. Nous pouvons mettre toutes les îles, nous pouvons arrêter. Pour nous dire, les îles, un grès chimique par les doigts utilisé sous lui. C'est un grès organique qui vous utilise. Ça veut dire tout le monde qui fait jardin, nous pouvons rapidement ouvrir un bureau agricole communal sous l'île. Un bac qui pour un agronome là-dedans. Il y a un agent agricole, il y a des gens dans l'île qui travaillent pour permettre tout le monde qui a fait jardin, le ministère de l'Agriculture, il y a déjà l'ouvert sur l'île pour voir comment on travaille pour nous chier que les produits chimiques ne viennent pas utiliser sous l'île pour nous avoir une île écologique. Ça veut dire que l'île est verte. C'est ça que nous mesurons pour l'île. C'est la solution qu'on ne peut pas faire partie des problèmes. De l'eau, il lavache à bien de l'eau quand même. De l'eau pour nous boire, de l'eau pour nous pour le jardin, de l'eau pour nous boire, il lavache à bien elle. Nous finissons par parler de route là, nous parlons de l'eau, nous parlons d'agriculture, nous parlons parler de courant. Parce que moi-même nous connaissons. L'MD dit, avant de me dire 16 mois, depuis le 1er avril, le pape me dit 16 mois. Moi-même connais, je suis dans le bill, courant 24 sur 24, ouais, pas dans 16 mois sur toute commune qui est dans le pays. Président Jovenel Moïse prend engagement pour visiter l'île Lavache de temps en temps, une façon pour assurer tout travail qui lance yo avancer comme ça doit. Désormais, tout dossier zile ça qui était bloqué dans route pral sous projecteur administration Moïse Lafontaine. Moment arrivé pour nous prendre une autre pause, amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché, n'a retourner tout de suite après. Merci parce qu'ils ont toujours été branchés. Bienvenue dans la deuxième tranche en journal ça, qui a démarré avec Association pour autonomisation femmes haïtiennes qui vivent avec mobilité réduite, qui lance jeudi lundi 9 avril un projet pour renforcer capacité femmes handicapées. Responsable association ça, Marie-Nerline Moril, expliquait projet ça visé encadrer femmes handicapées pour permettre yo gérer vie yo pi bien. Sainte-Croix Paki ak Fresnel Toussaint a présenté nous un reportage. Mesdames sa yo ka vive ak yon handicap physique pendant 2 mois a gagné pour prendre formation dans dépannage téléphone portable, macramé ak façon pour créer propre entreprise yo. C'est dans quatre projets ça qui portent nom formation renforcement capacité femmes à mobilité réduite qui vise combattre exclusion catégorie moun sa yo a subi dans société a ça cap aider yo créer propre entreprise ti parti pas dans la vie sociale et économique pays a. Activité a c'est une formation qui a fait autour de un thème que nous choisi pour projet qui c'est renforcement des capacités des femmes et filles à mobilité réduite. Dans deux thèmes, ça nous déduit que nous voulons former les femmes pour devenir des professionnels sur le marché, pour être capables de produire des œuvres et travailler avec tête pour ne pas dépendre de monde. Et pourquoi pas créer une entreprise pour avoir mon emploi. De ce fait, nous avons deux modules principaux que nous avons fait, qui sont formation en macramé, couture, donc production artisanale, côté capable de produire avec mes et que deux formations, ça, nous sommes capables de vendre des produits. Ça yo à des prix raisonnables bien sûr que y a capable autonomiser tête yo. Après nous avons l'autre module qui c'est dépannage de téléphone côté nous avons un partenaire là-dedans qui c'est Conatel qui était alloué nous des kits tout pour formation yo. Avec Conatel nous a vle et qui ba nous kit yo kounya là nous pas former mesdames ça pour venir des professionnels pas seulement garçons pour prendre téléphone mais pour eux même tout côté yo pas capable déplacer il y a porter téléphone yo venir parce que nous connais déjà que c'est un type de travail que vous venez jeune et fournisseur là, vous pouvez aller contre mesdames qui fournit au service là et puis vous pouvez capable brancher téléphone. Donc c'est deux modules ça. Et à la fin nous avons un troisième module que nous voulons faire côté nous voulons que vous montrer comment vous gérer l'entreprise dans deux types de sous-modules qui a gestion d'entreprise et montage de plan d'affaires qui a sur d'entreprise.
responsable communication association pour autonomisation femmes haïtiennes handicapées, Edwin Elius, expliquait mesdames Sayo pendant formation ça a bien pour bénéficier plusieurs matériels. Association prévoit accompagner mesdames Sayo pour qu'a montrer propre entreprise pio. N'a gagné un certificat que n'a ba moun yo pour clôture projet ça nous compter faire une grande foire d'exposition côté que moun qui fait macramé couture artisanat capable exposer œuvre yo et qu'on ça gagne des moun qui capable ouais potentialité qui gagne ca mesdames yo. Mais suite projet ça c'est une plateforme en ligne côté que wap ka mandé mesdames ça au produit yo. Par exemple voyez bay faire rad ou voyez bay confectionner valise ou bous ou etc. et bay ranger téléphone ou côté que a gagné garantie à 100%. Il y a un total 40 femmes handicapées a gagné pour prendre formation qui joignent bourade financement ambassade pays la France en Haïti pour un montant 2 millions de gourdes. Merci Paki ak Fresnel. Député circonscription Marigoa Deronette Deus dénoncé lundi 9 avril là tentative qu'ak élu sud-est a fait pour bloquer d'après lui projet développement commune. Député ont souhaité autorité sud-est yo entendre yon façon pour population Marigoa bénéficier tout service kap vini nan commune lan. Yon extrait nan micro Eliezer Kolo ak Moïse Wilbridge. Marigo comme yon circonscription qui toujours souffri problème de mauvaise gouvernance, gouvernement après gouvernement, sa victime dans les Marigo. Nous devons comprendre que Marigo les victimes parce que il toujours gagne des mauvaises représentations. Mauvaises représentations que ce soit dans la circonscription et mauvaises représentations que ce soit des sénateurs qui représentent le département qui toujours ont gens bafoué Marigo. Des députés qui représentent Marigo, c'est toujours des mouns qui allait et on moun mette aller dans l'élection qui gagne que yo bal dicté mais qui ça pour la faire et avec circonscription et des sénateurs yo même qui toujours a bloqué des questions pour circonscription par le évoluer par faire pour yo et de fait nous va comprendre nous toute là n'importe moun qui allait Marigo et à date Marigo gagne quatre gros problèmes li souffri tant que tout pays premier c'est problème route. Pas gagné route, nous gagnons même trois positions dans la commune Marigo que à date si une fille a pas couché, c'est sous branca pour y prendre. Gagné Macari, gagné Grand Rivière, gagné Corail sous, c'est pour sous branca pour y porter une fille descendre aller l'hôpital et gagné un bonne qui mourir dans route. Li gagné un problème éducation, gagné un bonne côté dans section yo qui pas gagné même l'école nationale. On seul lycée qui gagné dans la commune Marigo. Et vous êtes capable de comprendre, depuis tant de dates, vous avez des représentants, vous avez des sénateurs, Marigo, c'est tout privilégié mais lié. Nous avons un autre problème qui est grave, c'est le problème de l'eau. Marigo inondé 5 fois déjà. Savane du Bois inondé, Pérédo inondé à cause de rivière Fels, à cause de rivière Pavé et Citronnier. Il était toujours gagné des mouns qui là. Mais je dis, la situation est beaucoup plus grave. Grave dans le sens que c'est même élu moun Marigo yo voté yo c'est eux même encore qui a bloqué processus Marigo. Nous gagnons fait un pile effort rencontrer ensemble avec président Jovenel les ont planifié question caravane et jodi an caravane arrivé Marigo. On caravane qui arrivé Marigo en pile élu dans département notamment des sénateurs qui ont expérience dans fonction yo aller pour yo bloquer yo pas d'accord à Marigo. Parce que tout simplement, député qui Marigo, ce n'est pas député, il est capable de monter, descendre, les ouvrir. Et de là, il ouvre pour caravane commencer Belance, président d'accord pour commencer le Marigo. Comment caravane qui peut commencer Marigo? Et que nous gagnons problème d'inondation qui est toujours là pour le traiter. Donc, pavé qui toujours inondé Pérédo, citronnier qui a inondé, et savane du bois qui a inondé par la rivière Fels. Pour des sénateurs, des élus dans le département, dit yo pas d'accord pour caravane faire travail ça. Pour gain des routes qui se gain côté me dit nous c'est sous branca pour porter monde descendre pour Grand Rivière et Corail sous pour yo pas d'accord que caravane fait même un coup de tête pour améliorer misère monde ça. Et puis qu'on y en a fait qu'on a mission évangélique baptiste sud d'Haïti mettez fin
Dimanche 8 avril 2018, l'an 82e convention annuelle qui déroulait pendant 5 jours dans la ville Okaï. Président République l'an Jovenel Moïse a plusieurs autres personnalités politiques qui participé dans la cérémonie pour clôturer l'activité. On a invité nous suivre un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Pendant 5 jours convention MEBSH la, prédication yo te centré sous thème an pa néglige plan sa liya. Devant yon assemblée qui te gen la dan divers personnalités religieuses, politiques ak mam société civile la, président MEBSH la, pasteur Alnev Emile, encourager autorité yo pran en compte parole sagesse qui dégage nan Bible la, yon façon pour éviter négligence qui ka la cause toute yon nation échoué. Fête de la parole. Amen. Votre boussole. Faites de la parole. Vous songez, en 2016, tout de suite après le passage du cyclone, le président Lionel est venu dans le bureau. Il est là avec nous ce matin. Il est venu dans le bureau, nous passons au titan au matin. Et avant de déplacer, on dit, mais ça m'a bon comme cadeau. Vous songez, excellence? M'bali, mais ça m'a bon comme cadeau. Et le président a dit, m'promet tout. M'bali. Ça, c'est notre constitution première. La constitution du pays vient après. Est-ce que nous là? Une insatisfaction dirigeant MEBSH dans l'occasion 82e convention mission, c'est construction route Simon qui passait devant l'église Tabernak Simon. Une plaque honneur mérite tal jeune président Jovenel Moïse dès que Anessa, moun qui vient dans la convention, pas prend poussière à clabou. Nous comptons, est-ce que vous mettez toute force dehors pour vous sa fête. Quand vous avez été tracé, vous avez boss à venir, ingénieur, vous avez dit contre-maître, vous avez dit, et le président, vous n'avez aucun route qui a fait. Vous avez dit, avec le secours de Dieu, président Lionel, toujours que mes paroles. Vous la fête. Et vous passez la donne. Ou Ali, nous connaissons notre bagage qui se retrouve. Et puisque vous répondez à l'invitation, et nous te sentons, Seigneur, honneur pour nous confier au nom de la mission, on plaque à vous-même. Et là, on va aller à l'Assemblée, encore une fois. Applaudis le frère de Dieu. Chef l'État, félicité dirigeant MEBSH. Pour Jean yo accompagner l'État grâce à contribution mission ça dans plusieurs œuvres sociales en d'un pays à tankou construit l'hôpital, l'école, université à l'autre encore un exemple l'autre mission yo ta dwe suivre. C'est pour nous mettre ensemble. Aujourd'hui pour nous retirer pays à la salle parce que moi-même moi parler pour que Jean m'a dire pour nous construire route, pour nous mettre courant, pour nous mettre l'eau. Construire l'école, construire le centre de santé, construire l'hôpital, mettre ambulance dans la commune, renforcer la police, là, l'armée que moi rétabli, qui là qui prend le travail au service du développement. Je dis à vous, maintenant, MEBSH, c'est une petite commission que le pays a gagné. Parce que moi, ouais, quantité de travail d'évangélisation que vous faites. En notre pays. Moi, je connais qui, quand c'était l'école, l'université Lumière qui a une bonne formation dans le pays, au niveau éducation. Moi, je connais dans le niveau santé, dans l'hôpital, dans l'hôpital Bonnefin, nous connaissons qui c'est l'hôpital Zahé, c'est pas pour le Grand Sud, là, pour tout le pays. D'ailleurs, c'est pour ça que nous prenons une décision de faire route de l'hôpital Bonnefin. Nous avons asphalté la route, là, sur le petit cabaret. Mission évangélique baptiste Sud-Haïti existait depuis 90 l'année.
MEBSH étant ni sur ensemble territoire national là avec différents districts et puis environ une vingtaine directions administratives. C'est une grosse structure évangélique pays d'Haïti qui rive même dans pays étranger. Merci Sabine ak Naël. Konyen a fait qu'on a un bureau Minak Énergie présenté lundi 9 avril l'an bilan activité sismique qui sorti 1er janvier pour arriver 31 mars passé. Durant 38e édition lundi de la presse dans le ministère communication, directeur géologue Claude Prepty parlait sous deux principales failles en Haïti qui toujours en action. On suit yon bout. Donnez ça vous dit nous que tout côté qui est en rouge, c'est côté que déformation importante. Qui côté qui est en rouge, nous ouais, c'est au niveau du nord. Et zone ça correspond justement avec faille septentrionale. Donc faille ça, elle a bougé. Donc son zone à surveiller. L'homme dit zone nord là, on parle de département du nord-ouest, du nord et du nord-est. Nous sommes tous en rouge. Et le continuer en République dominicaine. Deuxième encore, côté qui rouge, c'est au niveau de la presqu'île du sud. Nous sommes toute zone Port-au-Prince en rouge. Il va jusqu'à Miragouane. On partit dans le sud-est là tout. Donc ces zones ça y'a côté que déformation beaucoup plus importante, donc c'est ça pour qui permet nous quand même vigilants, tout ce que nous avons enregistré pour dire attention, est-ce que zone ça lui-même l'immu pour le bail un gros tremblement de terre. Donc c'est très important avant que vous fassiez une route, avant que vous fassiez un pont, avant que vous fassiez un barrage, avant que vous mettiez l'école ou l'hôpital, c'est des bâtiments qui peuvent recevoir le monde, c'est très important pour informer est-ce que c'est pas une faille que m'a mis bâtiment ça. Donc il est très important pour nous qu'on trace exact faille là. Et nous voyons que faille de la presqu'île du Sud-là, il traverse presque cinq départements géographiques. La Grandance, le Sud, les NIP, l'Ouest et le Sud-Est. Et dans cinq départements, ça y est, nous avons près de 57% de la population d'Haïti. Donc son bagage stratégique que lui. 57% de la population concernée par faille, ça, une faille qui est active, qui est capable de battre au tremblement de terre, 5 départements. Donc, il est très important, en tant que responsable, pour accorder une importance à donner ça. Et faille nord, là, lui-même, nous, qui côté le passé, il y a 3 départements qui sont concernés par faille, ça. C'est nord-ouest, nord et nord-est. Et 3 départements, ça, il y a 20% de population. Donc, si nous prenons faille sud, là, il y a 5 départements qui sont concernés. Et finalement, il y a 3 départements, ça fait 8 départements sur 10 qui sont concernés par le phénomène sismique. Et en termes de population, l'on prend 60% à peu près pour le sud-là et 20% pour le nord, ça fait 80% de population haïtienne qui est concernée par ça. Et nous, ça passe le 12 janvier, quand c'était le monde qui mourit. Donc, si on ne prend pas des mesures pour protéger la population, si on ne prend pas des mesures pour que le bâtiment soit bien fait, eh bien, on a un problème. 12 janvier 2010, tremblement de terre a fait. Et au lendemain de ce coup-là, tout scientifique, tout technicien, t'es pensé que c'était segment faille ça qui était cassé, ou segment de faille qui traversait toute presqu'île du Sud. Et nous fait un an à essayer de réfléchir sur l'origine tremblement de terre, sur tracé exact partie qui était concernée 12 janvier. Université nationale, université internationale, un pile scientifique. Fait des mesures, et après un an de brasser l'idée, nous arrivons à la conclusion que ce n'est pas le segment ça qui était cassé le 12 janvier. C'est à peu près une faille. Donc ça, c'est reste faille là. Et nous pensons que c'est parti en rouge là qui était cassé. Mais c'est faille ça qui cassé le 12 janvier. Une faille qui a 40 à 50 km qui passait en bas de Léogane, qui était la faille de Léogane. Ça veut dire que si c'est faille ça, qui baille le 12 janvier, donc partie en rouge que nous avons prévu avant, donc il est toujours là. Il a accumulé l'énergie. Finalement, toute faille presque du sud-là, que nous avons fait mesure sur depuis longtemps,
mais Faïsa il continue à pas accumuler énergie. Donc ce coup ce que nous attendons sur Faïsa il peut arriver. Donc 12 janvier c'est ce tifaille secondaire là et nous rendons compte qu'on paquette l'autre tifaille secondaire que nous pas connaît qui est aussi dangereuse que faille principale là. Donc il y a un pile travail pour qu'il fait en Haïti pour identifier Jean de Faïsa. Nous avons toujours été ensemble avec directeur général bureau Minac Énergie, hein? Ingénieur géologue Claude Prepty, qui démentit rumeur qui a couru depuis plusieurs jours, comme quoi l'État dit Haïti pral subi un tremblement de terre. Dans ce sens, ingénieur géologue Claude Prepty fait qu'on a poko gen aucune donnée scientifique qui a dit qui le qui pral gen un tremblement de terre dans un pays. Pour pi bien faire face à un événement comme ça, c'est précaution pour population en prend. Yon extrait dans le micro TNH. Le nous sorti un bulletin sismique, ça m'avait dit pour autant que pas le tremblement de terre. Ça va être tout simplement température terre en bas qui j'en activité sismique là. Parce que gen yon information qui a circulé sur les réseaux sociaux qui dit que moi annoncé que pas le gen yon séisme imminent. M'a tout profité pour me dire membre la presse mon cap rédiger article sur sismique sur tremblement de terre terme imminent m'pa jamais utiliser en tant que technicien en tant que scientifique parce que imminent en français sur consulter un dictionnaire ça veut dire qui est sur le point de se produire donc là on dit que un tremblement de terre qui imminent ça veut dire que dans les jours à suivre yon 2 3 jours pral gon tremblement de terre ça veut dire qu'on capable prédit que par contre le tremblement de terre. Or, dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas capable de prédire le tremblement de terre. Nous, juste, bah, une information nous dit que, mais qui j'ai que terre a tremblé, et terre a toujours tremblé, chaque jour a tremblé. Mais ça n'a pas dit pour autant que par contre gros tremblement de terre. Gros tremblement de terre capable de arriver là, un jour, deux jours, effectivement. De même que le capable prendre 10 ans, 20 ans avant que le fête. Donc, nous ne connaissons pas. L'autre information n'a poté pour nous dans le journal ça, c'est avec président République l'an Jovenel Moïse, accompagné plusieurs officiels non-gouvernement et puis membres de branches parlement qui étaient déposés samedi 7 avril passé à Yon Jabflé, dans pied statue Toussaint Louverture, dans musée Panthéon National. Cérémonie a été déroulée pour commémorer 215e anniversaire précis à l'indépendance. Pensez lio te servi pour libérer Haïti en bas esclavage. Dans l'occasion, le président République Jovenel Moïse mandé tout petit pays à pour mettre tête ensemble derrière idéal Toussaint pour avancer avec pays à sous chemin changement. En côté déclaration chef l'État qui était dans le micro Esaïe Aurelius ak mobile TNH là. Je vous dis, moi crois que liberté côté pour tout le monde vivre libre sur la terre à Toussaint Bailly. Mais je vous dis, après 214 ans d'indépendance, sentiment pas moins, faut nous arriver, tout haïtien, quelle que soit origine, classe sociale, quelle que soit religion et quelle que soit couleur, faut nous garder mes têtes nous ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour la génération qui va venir. C'est un sentiment ça matin. Hein. Moi, je suis en train de me déposer un jet de fleurs et je pense que chaque haïtien, capitaine de là, que ça qui est en Haïti, que ça qui est en diaspora, moment, il arrive cloche à son air pour nous toutes mettre ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour vous. Nous allons poursuivre ensemble avec information pour nous faire connaître la cinquième édition semaine en lac, qui veut dire lettres, arts, culture. Collège canado-haïtien démarré lundi 9 avril. Une initiative qui est réalisée d'après responsable dans l'idée pour aider les jeunes yokon qui est yoyé développer connaissances dans le domaine lettres, art et culture et encourager yo faire plus lecture. Marie Dieudonne Heurteloup et Laure Darly Jean-Jacques abdinou plus dans un reportage. Lettres, art et culture au service du développement endogène d'Haïti. C'est le thème qui kembe pour 5e édition Semaine en Lac là. Aider jeunes yon kon ki es yoye, aider au développer talent qui caché la kayo, aider au comprendre qu'il ti yo pour ka participer dans développement pays ya, c'est quelques parmi objectifs responsables yo à travers réalisation activité ça. D'après frère Augustin Nelson,
directeur Collège Canado-Haïtien. C'est maintenant là que c'est une occasion pour divers écrivains et personnalités publiques partager connaissances dans le domaine lettres, art, kilti et élèves. Pour qui ça nous fait activité ça? Nous fait libre, nous capables de permettre aux jeunes que nous éduquer, qu'on qui est beaucoup plus. Pour nous apprendre à comprendre la richesse culturelle nous gagne dans le pays. Pour nous connaître que la culture nous gagne richesse là-dedans. Et que si nous apprenons à comprendre la culture bien, si nous apprenons à connaître, eh bien, n'a pas permettre que le pays ça développé par la base de manière endogène, c'est-à-dire à partir de développement moun. Pour un pays développé, il faut que moun là-dedans commence à prendre tête en charge pour connaître ça, pour être fier de eux-mêmes, pour connaître qui côté vous voulez aller. Jeff Microviad, président classe philo dans Collège Canado. Rete quoi activité ça a permet yo bien comprendre qu'il ti yo. Genre de activité ça donc li permet nous rencontrer des auteurs haïtiens parmi lesquels donc on ka cité Guy Victor comme ancien élève de l'école là, Dany Laferrière donc nous connaît très bien qui c'est un académicien français à travers plusieurs séances donc que nous fait là ensemble avec auteur yo donc yo parler nous de livio yo parler nous de parcours yo tout ça donc et de obstacles rencontrés difficultés tout ça donc yo mettez nous dans bain donc yo ba nous en première vue de la vie en gros de culture nous donc en gros donc c'est une initiation c'est une forme d'initiation fait donc avec nous dans culture haïtienne identité haïtienne à condition natif pays nous. C'est des sous-thèmes ça yo qui te débat dans premier journée semaine en lac, lettres, art et culture. Merci Marie Dieudonne avec l'Aurore. Kounyan a parlé santé pour nous faire connaître lundi 9 avril l'an, ministère santé publique et population lancé campagne vaccination contre maladie diphtérie. Plusieurs timoun dans diverses écoles dans pays a ap gen pour prendre vaccin pendant campagne si la cap durer 5 jours. Après cérémonie lancement, plusieurs agents santé qui étaient sous place t'ai profité vacciner ensemble élèves dans l'école nationale Argentine Bellegarde. Un suivi en papier avec Rodney d'Orléans et puis Michel Joseph. Diphtérie c'est une maladie qui est capable la cause gros dégâts d'après agents santé. Moun ki trape maladi sa kapab remake yon koule blan ou swa gri nan goj li sou fòm fil arenye. Se nan lide pou kontre kare maladi sa, Ministè Santé Piblik ak Populasyon an lanse, gras ak bourad UNICEF, Organizasyon Panamerikèn Santé ak Organizasyon Mondial Santé kampay vaksinasyon sa. Plizye santèn ti moun ki fè pati l'Ecole Nationale Argentine Bellegarde pran vaksin lendi 9 avril la kont maladi sa. Yon kampay kap rive nan bout li vendredi 13 avril kap vini la. Et puis rapidement, zanmi téléspectateurs, n'ap jambé nan aktualité en sou plan international pou nou fè konnen jan te di nan Grand Titio tou. Corée du Nord déclaré li paré pou dénucléarisation péninsule coréen quelques jours avant rencontre ki prévoi nan fin mois mai. Pour coulier l'art était pour finaliser organisation sommet qui prévoit dérouler dans le pays Mongolie. Et puis président américain Donald Trump suspecte État islamique qui t'a gain main trempée dans attaque chimique qui t'est faite contre civil dans région Ghouta orientale pays Syrie. Président Trump condamné attaque ça sous compte Twitter li. En suivant bout. Président américain Donald Trump fait connaître opération ça qui fait dans Ghouta orientale là à côté chez acteur Kaili Bachar al-Assad. Un message circulé hier dimanche là sur compte Twitter là. Locataire maison blanche là reprocher l'Iran avec dirigeant russe là Vladimir Poutine à cause de assemblée pour te soutien yo à al-Assad. Un menace qui pas clair pour Kremlin côté Moscou choisi voix ministère affaires étrangères pour le faire connaître ses menti et profiter fait connaître tout militaire qui intervenu yo à payer conséquences là. Yon l'autre bord, Pape François condamné tout attaque qui fait contre civils dans la région Ghouta orientale là.
Président République Lan Jovenel Moïse participé dans remise prix première édition concours Renaissance dans Camp Perrin samedi 7 avril. Un projet qui visait encourager jeunes à faire business et puis aider jeunes à développer tête yo. Groupe Croissance lancé lundi 9 avril l'an 8e sommet international finance sous thème financer agribusiness dans pays d'Haïti. Campagne vaccination contre maladie diphtérie lancée lundi 9 avril l'an sous initiative ministère santé publique ak population en tête collée ak UNICEF et puis OPS OMS. Plusieurs timoun dans l'école nationale Argentine Bellegarde vaccinés dans l'occasion. Ilavache recevoir l'équipement PAL samedi 7 avril l'an dans le cadre caravane changement. Président République Lan Jovenel Moïse prend engagement pour faire gros passer main dans Iléa qui capable offrir en pile opportunité dans affaires touristes et agriculture. Et bien, actualité en sous-plan international. Corée du Nord déclarée li parée pour dénucléarisation péninsule coréen. Pour coulier la arrêté pour finaliser organisation sommet qui prévoit dérouler en vent longtemps. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal pour semaine ça. Mais avant de nous aller, nous pas capable souhaiter un joyeux anniversaire à deux collaborateurs nous dans la télévision nationale d'Haïti qui a fêté. Eh bien, c'est caméraman nous, Rémi Godjit, ensemble avec informaticienne nous, Sadeline Profil. Nous profiter souhaiter yo joyeux anniversaire. Jean-Noté Dil, c'est fin journal ça. Merci tout le monde qui était ensemble avec nous. Nous souhaitons nous toutes. Yon très bonne semaine, mais surtout yon très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Restez branchés. Au revoir.